Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet avec Katox. Salut Katox. Salut. Et on se retrouve pour la bataille du coup de Skellus, hein, qu'on va défoncer, hein, j'ai envie de dire. J'espère bien. Alors cette fois on va prendre notre petit cuirassé. Alors qu'est-ce qu'on va virer pour le prendre? On a beaucoup trop de trucs à tentacules là. Hop, voilà, un petit cuirassé et on peut rajouter... Et déjection du signe, faisons ça. C'est parti. Et déjection du signe qui pendant la mission qui n'a pas existé, on réussit à détruire une flotte de transport à elle seule. Mais je te jure, enfin, j'ai balancé un assaut dans le vaisseau de tête, du coup il est parti en mutinerie, il s'est arrêté au milieu à essayer de se désengager et... Tous ceux qui étaient derrière, ils sont rentrés dedans, ils étaient en mode panique en taille, j'ai chargé dans le tas comme un gros porc avec mon vaisseau pas du tout fait pour. Et... Bah, ils ont tous explosé. C'est ce qui fonctionne très bien. C'est clair. Mais il y a eu une belle action quand même, parce qu'il y avait un des vaisseaux, juste avant d'exploser, il a envoyé son dernier mec avec un assaut éclair là, dans une épave à la dérive à côté, qui a essayé de s'enfuir de justesse, qui a échoué. Beau plan. Très très beau mouvement, c'était tenter de sauver les femmes et les enfants en les envoyant dans un autre vaisseau. Relay their coordinates to the fleet. We cannot risk a collision. Any communication from Fabricator Cambrius? None, Admiral. Ok, alors. Bon, on va reprendre le même positionnement, je pense que c'était bien de les prendre en travers. Ouais, je pense qu'on était bien. Je vais te filer si tu veux le cuirassé. Peut à peu près bouffer des gens. Ouais. Bon, si tu veux, c'est l'histoire d'avoir un vaisseau amiral chacun, mais si tu veux pas, je le prends. Hein. Bref, moi, les deux à mâchoire prennent pas mal de temps parce que c'est. Ils one shot quasiment le. Bah, rends-moi l'amiral alors. On gère un peu moins. Hein, je... Non, mais je comprends, hein, ça me va. Moi, je gère les tireurs de loin, je te laisse gérer la mêlée. En plus, t'es obligé de zoomer pour les gérer donc. Ok. Ça me va. Je fais directement monter bien plus haut que toi, du coup, et puis. Tyranid vessels closing to combat range. All hands to battle stations. The Emperor will bring us victory. Orders, Admiral. Blockade formation. We have to buy the transport ships more time. Cambrius will be here. At your command, Admiral. Alors, est-ce qu'ils refont la même stratégie? Pas tout à fait. Putain, ils sont mis super loin, les enfoirés. Ce qui est cool avec les tyrannides, c'est contrairement aux autres, quand ils font une poussée, ça les rend pas identifiés. Ouais, c'est un avantage. Alors j'ai pas regardé ce que j'avais, champ de sport, récupération rapide ou sport à écho. Ça claque une bonne sport à écho. Quelle distance là? Alors, loin quand même. Ils envoient des torpilles. Ça, rien de neuf. Il devrait largement nous rater normalement. Ouais. Ils ont estimé le mouvement sans qu'on accélère en fait, donc du coup. Bah ils nous ratent quoi. Ils sont mauvais. Tiens, il y a une bombe aussi qui explose au milieu du champ de bataille, hein, je sais pas ce que c'est. Ah, ça va être une. Intéressant. Il prend des méduses protoplasmiques. Alors, on a identifié quelques personnes. Croiseur léger, transporteur. Bon, le champ de sport est pas ouf officiellement placé, hein, je dois bien l'avouer. Ce qui est bien, c'est que t'as accroché la sonde à un des vaisseaux. Ouais. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que les transporteurs, ils sont au-dessus en fait. C'est trop petites merdes qui sont à l'arrière, je pense. C'est ça, ils sont à l'arrière. Il
Ça c'est fait. Un de moins. Toi là, tu seras la priorité pour viser l'armement. Ici, on vise l'armement, tu seras deuxième. Oh putain les salauds. Il y a une bombe sur notre cuirassé là. C'est un vaisseau à toi que milieu. Ouais mais j'ai... Ah, t'avais pas de poussée? Non c'est j'ai... J'allais me planquer. Oh putain, tu déconnes. Tourne un peu. Merci. Oh, tu m'as envoyé des messages, je ne comprends pas ça. Oh là là, ils envoient vraiment toutes leurs troupes vers moi, ça c'est pas bon. C'est un transport ça? Oui c'est un transport ça. Toi t'es en train de crever, si tu pouvais m'envoyer un dernier assaut. Dans le transporteur il me charge. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Il te charge. Le général il a pris cher d'un coup. Ouais ouais bah force de crever, je crève. J'ai pas pu faire grand chose malheureusement. Major Razine, any word from Fabricator Cambrius? Nothing, Admiral. All attempts at contact have failed. Curse that cold-blooded cyborg. His liaison.
Ah, il a encore fait sa savonnette, quoi. C'est Apocalypse. On n'a pas de renfort. Non, toujours pas. Bizarre que les renforts soient vraiment. Ouais, ils sont vraiment complètement buggés les renforts. Hein. C'est vraiment la lose. Le baroud d'honneur. Je te l'accorde. Mec. Je peux choper là, ouais je peux choper. Coucou. Oh la vache, c'est violence quoi. Putain, la quantité de trucs qui me tombent sur la tronche, quoi. Ah merde, j'étais trop critique, je peux plus utiliser. Mais si tu veux, l'espèce de bonne nouvelle, il nous demande de détruire le vaisseau amiral de Veneska Catalia. Toujours pas lui. Le gros centre. Il est pas sorti, tu veux dire ? Bah moi je l'ai pas vu. Le gros au centre, l'apocalypse, c'est pas celui-là. C'est, hein. C'est pas celui-là, non. Si, il est là, le Sword of... Ah non, le Sword of Defiance. Ah non, j'avoue, je sais pas où il est. Allez, on va le rabattre sur les méduses, là. Hop là, le bouclier invincible, c'est cadeau. J'espère que c'est pas la mise à jour qui a fait bugger la mission. Ouais, ça ferait un peu chier, j'avoue. Ouais, parce que là, dans ce cadre-là, c'est. c'est quand même complexe à réussir. Là. Ah, bah là, ouais, carrément, ouais. Complexe, c'est le mot. Ah, mais il essaie de s'enfuir, hein. Je te choperai, petit vaisseau, c'est pas la peine d'essayer de te barrer. Je laisse derrière moi ma traînée de trucs puants, mais ils sont tellement loin, ils arrivent à me tirer dessus tellement loin quoi. Allez, un dernier petit tir, voilà. Mais si seulement c'était, tu sais. tu détruisais tous les transporteurs, ça allait, mais. C'est même pas que ça. Ouais, là ça va être tendu. Ah bah il y a des torpilles qui viennent d'une nébuleuse là tout au fond, donc à mon avis il y aurait comme un cuirassé Oberon derrière là. Ça m'étonnerait pas. Bon, il me reste une charge de récupération rapide de bouclier et tentacules et un petit peu d'infiltration de saloperie là. Putain, qu'est-ce qu'il faut. Lancer le truc dessus, on va essayer de choper celui-là qui est tout seul. Mais sur qui il tire ses missiles ce con? Quoi de moi le voici? Croiseur de combat Armageddon.
Oh, il tire sur ses côtes. C'est le Sword of Defiance. Donc c'est... En plus, c'est le vaisseau qu'on doit abattre. Ouais, mais c'est juste un croiseur de combat. C'est déjà ça. Bon, t'as quand même un... Quel est l'apocalypse? C'est vraiment bizarre, où sont nos foutus renforts, quoi. Ouais, j'avoue, je comprends pas. En plus, j'ai des lags et tout, donc à mon avis, ça doit être bien bugué. Oh putain, les tapis! Oh la vache! Oh, j'ai réussi à lui enlever pas mal de troupes, hein, donc sur un malentendu après. Je vais coller un sport écho sur la tronche pour qu'on ne perde pas si jamais il renfort d'ici. Oh, le joli coup critique. Pont détruit, moteur endommagé. Bon, bah de nouveau on reste bloqué là. À mon avis là... Je sais pas si tu étais déjà en train de chercher une éventuelle indication de bug là-dessus, mais... Je cherche. Sinon, on va attendre que les renforts arrivent un par un, puis on va les envoyer charger dans le tas jusqu'à ce que... En balançant tout ce qu'ils ont, hein. Lui, il reste juste... Un mec, ils sont dans le jaune. Il reste un mec, lui dans le rouge. Si on arrive à spammer de l'assaut, y a moyen. Hein. Enfin, faudrait qu'on ait des renforts qui arrivent, mais. Faudrait que les renforts soient un peu plus jusqu'à ce que ça. Quoi. T'es toujours dans la mission là? T'as pas été jeté? Ah oui, non, j'ai pas été jeté. Et j'ai rien, il se passe. Non, bah pareil, ils font rien, ils sont bloqués sur place. C'est comme tout à l'heure, au bout d'un moment, il va y avoir un vaisseau de renfort qui va arriver. Mouais, mouais, mouais. C'est dommage ça. C'est très très dommage. Sword of Glory. On a quand même réussi à bien leur faire mal, hein. On peut pas dire le contraire. Hein. Ouais. Avec des renforts, ça passait. Hein. On aurait pu soutenir nos vaisseaux détruits avant qu'ils les butent et y tracent un par un. Et... Ouais, clairement, c'est ça le. Parce que on peut engager que 1200 sur le champ de bataille, mais clairement en face il n'y a pas 1200. Hein. C'est que des croiseurs de combat. Oh bah normalement tu gardes tes renforts, c'est ça qui est un peu. Ouais. Mais je pense que le cuirassé doit être plus ou moins aléatoire. Tout à l'heure on a eu un Oberon, là on a un Apocalypse. Ouais. Bah là en fait ça a bugué vu qu'on a. Ça a pleinement bugué vu qu'on a plus de vaisseau et qu'on leur a détruit tout le reste. Mmh. Ouais. Donc. Bon. Ouais, je pense que c'est mort. Bon bah du coup je vais quand même publier cette vidéo que vous voyez un petit peu ce qui se passe et puis on réessayera une autre fois après un futur patch. En espérant qu'on puisse continuer quand même, parce que ce sera dommage de s'arrêter là-dessus. N'hésitez pas du coup à laisser un petit message, si jamais vous trouvez un poste quelconque qui en parle, et bien dites-le nous. Si vous regardez cette vidéo dans 6 mois et que vous trouvez un poste qui en parle, ben, ce serait peut-être pas la peine de le dire, mais dites-le nous quand même, ce sera fait. Sait-on jamais. Sait-on jamais qu'on n'ait pas réussi à trouver puis qu'on ait posé le truc. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette série jusqu'ici, et puis bah, on se dit à très bientôt pour plus de vidéos. Merci à toutes et à tous. Salut.